Supermarché Charlie. Une tuerie. Le jeu que Kylian m'a fait tester hier aussi, un jeu de store où tu gères des jeux vidéo. Énorme, énorme, parce que du coup tu dois améliorer ton magasin de jeux vidéo. Par contre là tu construis pas, c'est t'améliores et son magasin grandit. Mais tu dois recharger. Genre ils ont repris des noms de jeux. Tous les noms de jeux. Des jeux réels et tout. Après tu vends des consoles et tout. Faut plus t'améliorer. Franchement super top le jeu. Et tu sais que j'ai appris ça ce matin, j'ai fait la comparaison parce que j'ai vu le Discord. Kebab Restaurant Simulator et le Supermarché Simulator, c'est la même entreprise. Ah ouais? Le Discord est exactement le même. Quand je dis Bah, exactement, c'est exactement. c'était sûr. Donc c'est donc kebab et le caissier c'est français parce que vu parce que des fois je me demandais vu les produits comment ça a été les designs et tout ça tu sais les produits mettre en rayon et tout ça tu le vois bien moi je le vois hein, et j'ai le jeu honnêtement c'est tu regardes bien c'est les produits français hein, les pizzas et tout bon il y a quelques noms différents mais voilà, tu regardes le Nutri-Score, c'est tout en français. Voilà quoi. Ah merde, j'ai essayé d'arrêter. Ah merde. Non, mais ça fait longtemps à attendre et que bon, je foutrais. Bon, je disais. Moi, je vais me faire un petit hobby. Hier, j'ai fait un hobby, Charlie. J'ai fait un hobby de à peu près ouais 725 niveaux. J'ai commencé à le live. J'ai mis 1 heure et demie pour le faire. Là, je vais vendre tout, je vais refaire tout mon magasin. Ouais. Je sais pas, est-ce que je lance un live maintenant? Hier j'ai lancé du coup bah c'est tard. Et après dans ta déco et t'es parti. Tu sais très bien qu'à minuit, je dors, mon racaille. Ouais. S'est endormi comme une merde. Celui-là, il semble pas l'avoir fait. Il faut. Ah non, il faut que je refais un hobby. Il faut que je refais. Il était top. J'ai fait un hobby. Franchement, c'est assez marrant. Ah, j'ai gagné au bingo ce matin. Carton plein. Carte plein, GG. Et nous, qu'on se cassait la tête pour dire, ouais, on doit payer les cartons. Ben ouais. Ah maintenant je dis plus l'astuce maintenant aux gens, ils se débrouillent. Je l'ai dit qu'une deux fois, deux, trois fois là. C'est bon. De quoi tu dis plus l'astuce? Se débrouille maintenant pour chercher les cartons. Ouais, Parce que je peux pas jouer et expliquer en même temps quoi. T'es bien gentil, mais bon voilà quoi. Je vais tout vendre et je vais recommencer
à racheter petit à petit les trucs. Parce que j'ai vu un streamer TikTok. Il a des méga stocks devant le magasin parce que le local est trop petit. Et il s'en sort super bien. Il remplit les rayons, il a tout quoi. Et c'est ce que j'ai envie de faire. Mais pour ça, il faut que je vende tout. Que je reprends tout à zéro. Les commandes. Ouais, ça c'est autre chose. Parce que moi, je faisais jour par jour. Petit à Ouais. petit, remplir, c'est impossible. T'as que des trous et tout. Et t'as, sur Discord, t'as un mec qui m'a dit, ouais, c'est normal. Il m'a dit, une mise à jour va venir pour les magasiniers. Ah, j'ai dit, putain, j'ai dit, oh, vivement demain. Il y en a certains qui ont proposé les ventes d'animaux, des caisses automatiques, mettre de la musique, mettre les caisses comment ça s'appelle, automatiques. Je pense qu'il y aura ça. Moi j'ai parlé de la façade. Ouais, il y a plein de boulot quoi. Ils ont plein de boulot ce jeu. Hein. Ils ont plein de boulot, hein. Ça peut marcher. Mais il faut du temps quoi. Après, c'est comme tous les jeux, Charlie, il faut le temps. Il y a du potentiel ce jeu. Mais toi t'arrives au bon moment parce que du coup quand tu vas l'acheter, du coup tu auras une mise à jour à faire, je pense. Et tu auras tout au dernier. Ben au dernier, tu auras les magasins et tout, tu ne seras pas emmerdé. Nous on sera emmerdé. Mais emmerdé oui ou non, parce que là pour le moment on joue sans magasiner, donc ouais, on est emmerdé. J'ai demandé les pickpockets aussi, j'ai demandé sur Discord avoir des pickpockets. Pocket. Les voleurs de nourriture, tu vois, qui te volent un peu le stock, quoi. Ouais. Je reviens après. Je dis, attends, je vais juste faire un truc. J'arrive. Parce que là, moi, je vais refaire tout mon stock là. Ce sera mieux géré. Parce que là, honnêtement, c'est ingérable. Comment ça, c'est incroyable? Parce que quand tu fais tes stocks, tu sais, t'as toujours des trous dans les étagères. T'arrives pas à remplir tout. Chaque fois, à la fin de journée, ils disent produits manqués. C'est bon, quoi. Je veux dire, à un certain moment, tu peux pas tout faire, quoi. Je peux pas être en caisse, remettre un rayon, commander, c'est bon. Trop galère. Bon, j'arrive.
Mon Charlie, je vais refaire les, je vais tout refaire. Pour refaire les stocks. C'est pour refaire les stocks, mon Charlie. Charlie. Hop. Oh là là, je mets une clope. Il faut attaquer, frère. Puisqu'en faisant le stock comme ça dehors, comme le streamer l'a fait sur TikTok, il se fait masse d'argent. Et il peut agrandir plus facilement le magasin. Parce que là, le problème, c'est que en faisant petit à petit, malgré que les étagères sont vides, tu avances. Mais à un certain moment, tu vas te retrouver bloqué parce qu'ils vont te demander beaucoup plus d'argent pour agrandir. Donc à un certain moment, tu vas être coincé. Donc c'est pour ça que je vends tout et je refais tout. Que je tente la dernière difficulté de celui-là. Putain, 30 000 personnes dessus. Pour ça. Hier, j'ai fait les deux premières difficultés, il faut que je fasse la dernière. Il faut que tu coupes ton son. Attends. J'ai pas besoin de son. Ouais, j'ai pas besoin de son, si. Bon. N'oublie pas que je parle avec la caméra. Hein. Donc, du coup, le son, tu vas l'entendre. Ouais, mais à 1%, je sais pas, hein, ou 2%, Ah, très le très très son, j'en ai bas. pas vraiment besoin. Ce jeu, j'en ai pas besoin. Là, j'ai fait le défi facile, j'ai fait le défi dur. Là, je dois faire le défi mode live. Mode lab. Oh, ce que ça donne, hein. Hier, on m'a fait un peu péter les câbles au niveau dur. Comme ça, en plus, comme ça va faire vendre les pizzas. Moi, j'ai presque plus rien, donc c'est bon signe. Et je vais réorganiser mon supermarché aussi. C'est ça, un métro. Ça, tu vois, ça déjà, je vais le mettre là.
Attends, je vais aller faire un tour sur les lives que j'ai prêté voir. Ça c'est mieux. Et on peut pas revendre les étagères du coup. Pense pas. Ouais, on peut pas revendre. C'est rattrapable, hein, mon erreur, hein, mais il faut du temps, quoi. C'est pas une erreur, mais c'est pas une mauvaise gestion non plus parce que j'arrive à payer les factures, donc du coup. Je vais refaire le supermarché, mon Charlie. Parce que j'arrive pas à. Si tu vois, je galère pour faire les stocks, mon Charlie. Pour ça, je suis tombé sur un stream TikTok et la méga, 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 méga de stock. Et il est jamais en galère. Et pourtant, il avance petit à petit aussi, mais. Donc, ça, j'ai pas besoin du coup. Sur TikTok, mon Charlie. Eh ouais.
Bon, allez, c'est parti. Le mode live, il va faire un peu péter les câbles, mais on va essayer. Oula! Oula! Ah ouais! Ah ouais, moi je vais comment là? Ah ouais, d'accord. Oh comment j'y vais? What? Tout à l'heure, j'ai bien décongelé mon bac à glace là. Ça fait du bien. What? Comment j'y vais? Pas logique. Comment j'y vais? Je sais même pas si il a déjà été fini le mode lave. Je vais juste voir la gérance. Licence, il me manque quoi? Niveau 30. Possible. Pas possible. Oui, un moyen de contourner la lave, vous devez sortir de ces sentiers battus, des certaines zones, bonne chance. Ouais, mais c'est impossible. What the fuck? C'est impossible. On va commenter quand même des petits trucs là, vite fait là. Ah non, le mode lave est impossible. Oh, mais what? Oh, d'être possible, mais. Non, non, non. Comment je passe? Comment je passe? Voilà, allez hop, le mode lave laisse tomber. Hein. Il est impossible. Je sais même pas par où passer, je suis bloqué déjà sur le début. Il y a un problème. Continue à avoir de l'argent. Celui-là, il me semble de l'avoir fait. Non, celui-là, il était dur. Y a 18 000 personnes dessus. Il me semble l'avoir essayé. Ah ouais, non, il était super dur, je m'en souviens. Dès le début, c'est dur. Ouais, d'accord. Oh là là, oh là là. Oh là là, oh là là. Oh là là, oh là là. Oh là là. Oh non! Oh. Ouais, faut être patient. On va Il est faire fou celui promo, qui a on va faire promotion, on va perdre un petit peu, un tout petit peu d'argent, pas beaucoup, non. que ça part vite. Ah, franchement, celui-là va me faire péter un câble. Il est dur, ce hobby. Ça va pas être facile à faire. Ah, mais si on y va tous en même temps, les gars. On perd un tout petit peu d'argent. Comme ça, au moins, les trucs, ils vont partir très vite. J'espère. J'espère qu'il y a des checkpoints. Suis presque. Oula, oula, oula.
Oula, oui, oula, oh. Que je tombe maintenant. Ça va vite partir. Si je dois recommencer en bas, je deviens fou. Hein? What? Mais c'est impossible. Et de quoi ma racaille? C'est quoi ce hobby de ma boule? Ah non, je dois recommencer. Ça va, le début, il est assez simple. Quand t'as compris. Faut juste être patient. Oh là là, oh là là. Non, mais non, je suis retombé. D'accord. Ah, ça, c'est pas un jeu pour toi, Charlie. Je pense pas que tu voudras faire ça. Je t'en souviens, le jeu que t'as fait la dernière fois que t'as quitté. C'est au moins 100 fois pire. Mais il n'y a pas de checkpoint ou quoi? Passer cette zone, mais... Où est l'arrivée en vrai? Le pain, on va le mettre là. Le choc-à-pic, on va le mettre là. Voilà, je vais passer à la première partie. Juste que je tombe pas, il faut pas que je me prenne le laser. Non, mais non, je suis tombé. Oh là là, ça va vraiment dingue. Ouais, d'accord. On y arrive à... J'ai même pas passé un niveau. Comment les gens ils font? Non mais non, c'est bon, si je retombe encore une fois, j'arrête. Ah, c'est bon. C'est un truc de taré. Pas abusé. Allez, c'est bon, je suis encore tombé. Sérieux, c'est quoi ce hobby de fou? Dès le premier niveau, c'est hardcore. Y a des limites quand même, non? J'ai fait des hobbies beaucoup plus faciles que ça. T'as le truc qui va de plus en plus vite ou quoi? Il y a un timer, je sais pas c'est quoi. Je pense qu'on a autant de temps pour monter le plus haut possible, je pense. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais, en fait, on a... Voilà. On a 7 minutes pour monter le plus haut. Ah non, ça a changé d'hobby. On est sur un autre maintenant. Ouais, tous les 7 minutes, ça change. Et je suis retombé. Oh là là. Ah, faut être patient sur ce jeu. Ah, vraiment, faut être patient. Mais bouge-toi! Oh là là! Putain, ce bon vent! Je vais même pas passer un niveau. Voilà, ça Même c'est pas bon. un. Je sais pas c'est qui a fait ce hobby, mais...
Là, vraiment abusé sur la difficulté. Je ferai pas, mais pas des difficultés comme ça au début. Il n'y a même pas beaucoup de gens qui arrivent à le passer. Regarde, je vois plein de gens qui se cassent la gueule. Mais ouais, tu mets pas dessus. Et vas-y, bougez aussi. Ils sont tous devant. Agrippe-toi. Agrippe-toi. Oh, c'est un truc de fou ce jeu. C'est un jeu que je vais vite quitter. Y a trop de monde. Mais bouge! Putain, il y a tellement de monde, je vois même pas mes sauts. Ouais, non, plus de 18 000 personnes, faut pas abuser. Genre, 18 000 personnes qui s'éclatent sur ça. Vas-y, dégage. Avance, avance. Chacun son tour. Laisse-moi passer, mais... Putain, mais ils sont tellement débiles. Je vais essayer de remonter ici. Mais non, je suis retombé, j'en ai marre. Ah, la souffrance que je me donne là. Mais je ne touche pas! On va faire des séparations comme ça, moi ça fera des trucs. Voilà, déjà ça fait mieux comme ça. Vas-y. Les caisses, on va mettre là. Oh, j'ai réussi à passer. Je vais faire tomber. Non, vas-y, c'est bon. Allez, hop, va te faire foutre le jeu. C'est bon. Ouais, il y a des limites. Tour de l'enfer, mais en même temps, quand tu vois le nom du jeu. Tous les niveaux, tous les trucs sont assez difficiles. C'est bon, j'arrive quasi en haut et il y a des cons qui passent en même temps que moi, du coup, je tombe. Ah, lobby, c'est bien un moment, mais il y en a, c'est ultra dur. Quand il y a des hobbies qui sont encore raisonnables au début. Vraiment, t'as des hobbies, ça appuie sur la difficulté. Bug. Ouais, j'arrive pas à poser les trucs. Choisissez le bon pont. Enfin, comme par hasard. Je suis un poisson. Ok. Moi, je dirais celui de droite. Voilà. Je ne sais même pas combien il y a de stages.
Même pas combien. Ah, je suis qu'à 8 pour 8% du niveau. 8,4. Waouh. Ça me fait trop penser à celui que j'ai fait hier. Le tier 7, 125 niveaux. Truc de fou. Ouais, ça y est, j'ai changé de zone. Oula, une zone de lave. Bon, ça manque. Les premières zones sont bidons. Ouais, j'allais dire, je peux pas voir là. Bon, c'est juste j'attends. Aïe. Un point de la lavande, c'est deux points. Hein? Mais là, c'est pas possible ce qu'elle vient de faire. Ok. Oui, tu as fait vite là. On sort dans ton magasin. Je refais tout. Et du coup, tu disais demain c'est la mise à jour, il y aura quoi? Les magasiniers. Ouais, mais ça va être trop simple après, non? Non. Ah ben non. Tout dépend comment tu as géré au début ton magasin. Ouais, mais bon. Aïe. Attends, je vais lancer un petit live. J'en ai pas lancé depuis un moment, à part hier. J'aime bien lancer des live hobby. Qu'est-ce que t'en penses, mon Charlie? C'est mieux comme ça? Alors, BS. Au moins, ça doit être bon. Allô, allô. Allô, allô. Normalement, on m'entend. Ah, mais non. Mettre le casque.
Les choses jolies là, là. Ah ben non, au pire, je vais faire comme hier. Lancer un live. Nos micros, puis je mettrai mon micro un peu plus tard. Je mettrai le casque plus tard, au pire. Avatar, j'enlève. J'enlève. Bon, le seul truc qui est dommage, c'est que je dois lancer en capture d'écran. C'est le truc qui est dommage. Est-ce que ça te plaît la disposition là, regarde le live? Est-ce que ça te plaît la disposition là, regarde le live? Est-ce que ça te plaît la disposition? Je pense que je peux commencer à mettre du coup. Je mets le casque. Tant mieux. Je vais mettre le casque. Une merde. Ça, c'est le petit déjeuner. Donc là, ok.
J'ai tout, je refais tout exprès, mon Charlie, pour qu'on repart bien. Les papiers de toilette, on va mettre... Donc l'huile en a mis, l'huile en a mis. Acheter les pistolets du coup. Alors, pistolet 1, 2, j'en pointe 2. Attends, attends, j'arrive. On s'aime bien? Non, j'ai rien dit, c'est bon. Ouais, je gagne des gemmes en fait depuis tout à l'heure. J'ai même pas capté. Là, de 40.
2,50. Ça voilà, on refait les prix. Donc du coup lui là, ok, ça c'est bon, ouais ça c'est bon. Oh merde, il est parti à une de ses vitesses. J'ai pas compris là. Salut Cesse. Hein? Non, c'est un gars. Hop. 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 Ouais, ça c'est bon. Allez, hop. Oh non. Oh là là, il allait trop vite. Déjà, ça va un petit peu mieux déjà dans les rayons. Ouais. Tu regardes pas le live? Si, si. Attends. Je suis sur les deux en même temps, donc. Montre-moi. Regarde, là j'ai mis les caisses comme ça, Mmh. regarde. Là j'ai mis les surgelés avec là au bord, là tu vois au à l'entrée là, hop. J'ai mis les frigos ici, là, tu vois. Et après les rayons, regarde.
Nickel. Parce que je suis en train de faire, mais de l'autre côté, moi, sur l'autre jeu. Yo mon Tom. Attends, hop. Et donc du coup, tu vois, j'ai ce que je voulais faire, c'est que j'ai tout, je vends tout et je refais à neuf les rayons, tu vois. Avec un petit stock. Bon, ça va être difficile, mais. C'est pas impossible aussi. C'est pour ça que je reprends tout à zéro du coup. Alors un surgelé, on va faire maintenant les surgelés. On va faire les œufs. Les œufs. On va commander par J'arrive, j'arrive. C'est par carte bleue, voilà. 30,68 €. €30,68. Marqué 730 €. Alors par carte 2,15 €.
9,30€. C'est pas mal. Il me fallait combien? 312 $? Alors attends, il me fallait combien? 312 $? 336. Attends, on va faire un. On va enlever les plus chers. Attends, d'abord on va faire les œufs. 224. D'abord on va faire les œufs. Hop. On va faire chose par chose parce que autrement je vais pas m'en sortir. Alors les œufs c'est dans le frigidaire. Alors comment je présente mes frigidaires? Du coup là il y a des pizzas. Donc dans ces cas-là on va le mettre là. Bien commencer par quelque part. Les œufs, on va mettre deux étagères. Ouais, on va mettre deux étagères. Les œufs de 4, on va les mettre à côté. Oh, du coup. Putain, casque à la con. Alors, faut faire le bon réassort des étagères. C'est pas facile hein, parce que des fois vous pouvez avoir des trous, vous savez pas quoi mettre, vous mettez n'importe quoi et après ça fait pas joli. Du coup alors 380, ouais bon ça c'est bon. Là j'avais mis 215, alors 315 10 centimes. Alors €28,85. Alors 10, 20, 5, 1, 2, 3, 4, 85 centimes. 50, 75, 80. Non, ah, le dernier, je le loupe. Alors 7,10€. 7,10€. €58,95. Ah non, trois fois je le loupe, sérieux? Là ça a point, vu qu'on a des trucs, on va faire, on a fait les œufs, on va faire les. Alors les choses bien comme il faut. Le café et le chocolat. Alors attends, le café. On va faire les choses par ordre. Le café et le thé. Alors le café et le thé. De carton, voilà, comme ça on a le petit déjeuner. Du coup, le thé on va le mettre ici. Voilà, et à côté, alors le thé ici, alors le thé là, on va mettre un carton là, on va mettre un carton là. Et le café, on va le mettre à côté. Voilà. On va vérifier vite fait d'abord les prix du café et du thé. 4,66, on va mettre 4,75. On va gagner un peu d'argent dessus. 10,21€. 11€, c'est largement suffisant. Même si c'est un petit peu cher, mais au moins font gagner de l'argent. Euh, 35 centimes. 25 et 35. Ah ouais, moi je suis un poisson. Je vais choisir le bon pour moi. Ouais, je dirais tout bon. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il n'y a pas du coup? La farine rouge. On va commander. Alors attends. On va commander du sucre et le sucre.
Il est où l'autre sucre? Là. Un carton. Ok. 88. Les factures. Demain, je pense qu'on va avoir les factures. Cinquante-cinq centimes. Prince, j'aurais dû prendre le checkpoint. Alors là, 8,80 €. Ok, il n'y a plus personne. Voilà, donc du coup. On part de la montagne pour aller au glacier. Oh là, ça va glisser. Pizza cheddar. Ok, ça en augmentation, donc du coup, on va le commander. Ah non, on peut pas commander. Pizza, pizza, pizza. Mais j'en ai pizza chez Dar. Il y en a plein là. Ah ben oui, j'ai trois bacs. J'ai pas besoin de commander. J'ai trois bacs. Alors. Qu'est-ce qu'il me faut les. De la farine, on va en remettre un peu. Alors, on va remettre un peu. Voilà, donc ça c'est fait. L'huile, il y en a plus de l'huile. Donc de l'huile, ça part vite, ça. Donc ça c'est bon. L'huile d'olive, on en a plus, l'huile d'olive. D'olive là, ah, du PQ, on en a plus. Voilà, donc ça c'est bon. Chocapic, on en a. Ok. C'est bien fait, franchement. Donc ça c'est bon. On remet là, là, là. Du coup, les pâtes PQ, on en avait là. Donc on a une carton d'avance. Ok, donc du shampoing, il nous faut du shampoing. Non, donc on n'a pas de facture, on n'a que 145 euros. Alors, c'est chiant pour tout refaire, mais. Ah ouais, c'est une galère hein, pour tout refaire. Hein. C'est toi qui as voulu, Charlie. Ouais, mais il fallait. Il fallait parce que déjà j'avais pas de stock en réserve et de plus, c'est pas que je joue mal, c'est que. C'est que c'était pas coordonné. Oh. Je suis à 50% de Joby. Ok, donc là, c'est ce que ça bougeait. 8,91. Voilà, 9. 9. Hein. Du coup, ça c'est bon, c'est bon. Le pain. On va jouer comme ça. Ok, il y avait un On va prendre carton. Ok, dans les allées. Je sais pas à quoi ça sert. Alors, le sucre. On va le mettre où? Là. Donc, le sucre. On a le sucre, le petit déjeuner, les céréales. Ça va ensemble. Voilà, ça va ensemble. Comme ça, au moins. Refait les rayons. Voilà. Ah là, ça fait plus supermarché là. 12,20 €. Ok. Et le sucre blanc. 5,63. On va mettre 5,75. Oula. Ça fait un peu de profit comme ça. C'est un nouveau. Ok. Farine, huile.
Alors, le loup. sous l'huile, qu'est-ce qu'on Oui. peut mettre? Les sauces. On va mettre Ah, l'huile et sauce. Alors, mince. Ça peut en mettre qu'un. Là, j'en mets mon loup, moi. j'ai 109 euros. Donc, avec 109 euros, on va mettre ketchup et mayonnaise. Ouais, j'avais pas assez. Du coup, on va encaisser les clients. Alors, 23, 10. Bravo, je vous fais mon saut. Est-ce on peut commander les sauces là? 140, ok, on en a assez. Donc les sauces et la mayonnaise, on va faire un rayon. Je voulais le mettre sous l'huile parce que c'était logique. Mais apparemment, j'aurais pas trop de plats. Ah si. Si. On va faire sauce piquante là. Va faire mayonnaise en bas. À côté, on va mettre les sauces piquantes. La sauce Les tomate. deux que j'ai choisis, les deux, c'est le mauvais. Et Mais Dieu. en bas on va mettre qu'est-ce qu'il y a? Ben bravo. J'ai Sauce vraiment pas de chance. piquante, café, fromage, bouteille d'eau. Ah, on a des bouteilles d'eau, on a du thé vert. On a des œufs. Alors attends, en bas des sauces, on va mettre. Qu'est-ce qui pourrait correspondre en bas des sauces? Oh là là. Mais non! Ah, le lait. On va mettre du lait. On va mettre le lait comme ça, parce que je vois pas où je pourrais le mettre le lait. Du coup, on va mettre le lait. Voilà. Voilà, on va mettre le lait comme ça ici. Voilà. Parce que là, autrement, je sais pas. En faisant les rayons, voilà, je sais pas où mettre le lait du coup. Donc, on va mettre le lait en farine bleue et farine rouge, il me faut. Alors, farine rouge plutôt. Il me faut de la farine rouge. Un. Oula. Deux. On va terminer la journée. Voilà. Hop. Allez, on recommence. De suite, on va commander la farine comme c'est pas trop cher. Donc, avant que les factures tombent. Du coup, là. La farine, on avait dit la farine sous le bleu. Mince. Mince. La farine rouge. Bah, je l'ai mis la farine rouge. J'avais de la farine bleue. Voilà, on avait la farine bleue. Donc, voilà, ça c'est bon. Du coup, on a quoi? Les chocapics. Qu'est-ce qu'il nous en faut des chocapics? Oui. Des chocapics ici. Voilà, donc on referme. Donc chocapic, c'est bon. L'huile. Oui, il en faut. Alors l'huile. Hop. Trouver la sortie du labyrinthe. Là, l'huile, c'est fait. Plus de flèches maintenant. Ah, il faut que j'y vais de moi-même. Oh, c'est sérieux? Ah, j'aime pas ça. L'huile d'olive, est-ce qu'on a mis de l'huile d'olive? Oui, il n'y avait pas beaucoup. Ah, moi, il est labyrinthe. Après, ça peut même pas dézoomer pour tricher. Ah bon? Ouais. J'aime pas les labyrinthes. Alors attends. Ah, j'ai trouvé. Donc déjà, ça se remplit. Donc là, on va finir ça.
Ça, alors, on va commander des frites et du les frites. Donc à Ouais. côté des frites, qu'est-ce qu'on peut mettre à côté des frites du coup? Ouais, des frites, c'est bon. Qu'est-ce qu'on peut mettre à côté des frites? À côté des frites, qu'est-ce qu'on peut trouver en général? Ah, parce qu'on a notre maintenant de café. Alors attends, il faut tout changer maintenant. Alors attends. À côté des frites, qu'est-ce qu'on peut mettre comme surgelé? Il n'y a pas grand-chose, hein. Je suis con, pourquoi je monte tout en haut moi? En surgelé, surgelé. On a pizza. Oula, là, ça va être dur. On a des pizzas, on a des frites et du poulet. N'y a pas d'espace. Et après, on Oula. a quoi? Ben, on va mettre du poulet, hein. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il n'y a que ça. Il n'y a que ça disponible. On part de la ville. Ah, je vais dans le désert maintenant. Donc, du coup, là, on va mettre le poulet à côté des pizzas, des frites, on n'a pas le choix. Les frites, on va le remettre là-dedans. Voilà. Donc ça descend. Je vais passer là. C'est dangereux là. Alors après, qu'est-ce qu'on a? Les pâtes. Alors les pâtes, on les met où les pâtes? Oh. Donc en général, on a les sauces piquantes et tout. On va mettre les pâtes en face des sauces. Voilà, de l'huile de truc, c'est plus logique. Parce qu'il faut faire à la logique aussi, hein. Alors attends. Farine, Charlie s'éclate on en a. avec Hein? J'ai Charlie s'éclate avec Non. son magasin. C'est que Non. je le refais, mais plus propre. C'est pas pareil. Et pour ça, pour le refaire plus propre, et bien, il faut tout vendre, quoi. Il faut refaire petit à petit les stocks. Toi, tu tombes pas en ruine. Non, j'essaye de pas tomber en ruine, mais bon, voilà quoi. C'est pas loin. Alors, attends, on a des bouteilles d'eau. Et pourquoi on a des bouteilles d'eau au début? C'est quoi l'arnaque là? Aïe. Ah, je l'ai pas touché. Alors attends, il y a une arnaque, il y a deux fois bouteille d'eau, c'est quoi ce bordel? Alors attends. Bouteille Ah, d'eau, peut-être des brochures. Ah oui, c'est mon cul. Non, mais ils ont Hein? mis la marque de mon cul. T'es sérieux, Charlie? Oui, c'est sa bouteille d'eau de mon Attends. cul. T'as vu ça où toi? Attends, je regarde ton live en même temps. T'as Regarde. vu ça où toi? Bouteille d'eau, mon cul. La marque de la bouteille. Hein. Et il va pas mettre mon blanc. Ça existe ça, mon cul en bouteille d'eau? Non. Ah. Non, t'existais pas. Bah, je pense pas. Bah, pas à ma connaissance en tout cas. Ah oui, mon cul. Ça existe? Je sais pas, regarde sur internet, moi c'est la première fois que je découvre des produits alors, hein. Bouteille d'eau. Charlie va aller en chercher. Je veux dire, vous vendez des bouteilles d'eau, il va aller. 2,82, on va marquer 2,90. C'est pas trop cher, mais au moins c'est des bouteilles d'eau. C'est pour ça que je disais, il y a un arnaque. J'ai dit, il y a deux trucs d'eau là. C'est pratique parce que du coup, c'est bien. Ils ont mis des marques de bouteilles. Et des non-marques. Bah des comment on dit déjà? Ah, de la sous-prix. Un peu la sous-marque, je sais pas comment expliquer ça. Bon, C'est on va discount. dire. Ouais, discount, C'est des voilà. marques discount. Ouais, c'est ça. Alors, 2,82, 2,75, 2,95. Aïe, aïe. On va légèrement mettre. Ça, c'est de l'évian. Attends, on peut pas se baisser en plus. Je crois que c'est de l'évian. Mais ils ont un peu modifié
La marque, mais c'est de l'Evian, parce que on dirait que le logo, on le reconnaît. Du coup, ça c'est bon, les œufs c'est bon, on va faire le fromage. Alors, le fromage, on va faire qu'une mimolette. Ok, on va faire Mimolette. mimolette. T'as vu les gars, il y a des vraies marques. Mimolette. Oui, mais je pense que c'est des Français qui ont fait ce jeu, je suis sûr. Pense. Ah oui, t'as vu les marques? Attends, tu crois qu'un jeu américain, ils vont faire des marques comme ça? Sais pas s'ils ont ça. T'as Je pense pas, Crusty mais. Pizza, t'as Crusty Pizza fromage, t'as des glaces au chocolat pistache, des frites Bah ça, on a l'air. French. Le poulet, c'est Miouf. Bon, ok, ça s'est inventé. Ah mince. La Javel, regarde, c'est Jaja Vevel. Ok. J'avais belle. C'est vraiment ça le nom. Cuyo, Cuyo, ou Coyo, Coyo plutôt. Bah attends, t'as pas envie de me changer Regarde, le magasin. Doudou. Tu crois que c'est américain, Doudou? C'est français, ça, Doudou. Avec le castor. Regarde, même regarde, sandwich. Sandwich a le Nutri-Score. Narvalo, c'est le café. T'es poil. Non, Mais je te jure, regarde mon stream. non. Il garde les marques de tous les trucs du coup. Gars, Chocapic, regarde, Chocapic, c'est français. Ouais, mais il y a mis Chokipic pour pas piquer la marque. On est Beats, Je sais, ça je pas. c'est le truc là, Miel Pops. Ouais. Là. Panzati, attends, Panzati, Panzani, tu vois, c'est. Non, 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 c'est des Ça Français qui sera l'ont pour fait. Honnêtement, tu regardes les noms et tout, tu vois trop grand que c'est des Français qui l'ont fait. ils ont juste modifié les noms, hein. C'est comme sur Roblox, hein. J'ai un Ouais, jeu mais de tu vois cuisine, des Américains un jeu qui de foot, mettent les ils ont marques changé les trucs, françaises. hein. Attends, presque les trois quarts des Ben, je sais produits, pas. c'est des marques françaises, attends. Moi, c'est le magasin de jeux vidéo. Le jeu de magasin de jeux vidéo. Tu claques une barre, comment ils ont changé les noms. Hier, j'étais mort de rire. Ah bon? Ah ouais, ils prennent des vrais noms, genre Apex, c'est comment ils l'ont mis? Non. Ils l'ont appelé comment? Ropex, non, Roblox Légende. Tous des trucs comme ça, genre Spider-Man et tout. Parce que c'est des vrais jeux. Hein. Genre, au lieu d'écrire PS4, ils ont écrit RS4. Un truc comme ça. Alors attends. Franchement, Sucre il est bien fait brun, quand même. thé, banane. Faudra que je C'est un jeu à se refasse marrer un peu. mon rayon de petit déjeuner parce que j'ai débloqué d'autres trucs. Donc du coup, ça correspond plus à ce que j'ai fait. Mais bon, on va garder comme ça pour le moment. On va garder comme ça, on va faire un roulement de produits. Déjà les clients? T'es sérieux toi, pour un paquet d'œufs, tu me fais carte bleue? Il y a combien ton paquet d'œufs, Charlie? Alors après, qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est cher les sushis, pour le moment j'ai pas trop d'argent. À moins que, attends, si on fait un prêt à la banque. Alors qu'est-ce que j'ai? 2000, 5000? Oh, Charlie va faire un prêt. Miracle. Montant du prêt 8000. Alors si je fais un 5000, j'ai un prêt de 8000. Je rembourse 325 sur 25 jours. Alors attends, je vais le mettre à fond, les prêts. Et je vais regarder les offres. Là, 935, tu gagnes que 200 dollars. Là, tu gagnes 1000 dollars. Et là, tu gagnes 3125 dollars en prêt. Tant pis, je vais prendre un prêt. Je vais prendre Tu un fais un prêt. prêt, Charlie? Ouais, je vais prendre un prêt parce que trop mal, je peux pas commander. Je peux pas faire. Je peux pas commander et en même temps. Je voulais faire goutte par goutte, mais j'y arrive pas, quoi. Avec les factures qui tombent. Charlie qui fait un prêt, c'est un miracle. Ce qu'il voulait jamais en faire sur tous les jeux. J'essaye de pas en faire. J'essaye de me débrouiller par moi-même. Mais là, Ah, ça. je suis obligé là. Putain, je viens de passer 236 niveaux là, Charlie. Moi je peux Je suis pas à faire 94. Trauma je peux pas 94, presque. Trauma je peux pas comment ça s'appelle faire bien mes réassorts de comment ça s'appelle
36. Attends, 50. Mais pourquoi je fais 50? 2, 3, 5. $3. Voilà. Là, je fais un prêt parce que autrement je peux pas commander du coup. Avec les factures qui tombent à chaque fois, j'ai du mal à remplir les trucs. Tu attendras, hein, c'est bon. Hein. Du coup, papier toilette. Non. Alors, pastille, ok, shampoing. Ça, ça, ça. 279. De toute façon, le prix, ça va uniquement de la commande. Hein. Ça, je vais rien faire d'autre. Hein. De la chavelle. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Voilà. Non. Est-ce qu'il non. Il en reste hein? Non, il n'en reste pas. Je suis quasi fini. Hein. Alors, le shampoing. Je suis à 247, du coup, je suis à la fin. Il manque 3 niveaux, j'ai fini. Alors. Hop, 2. C'est 250, allez, oh non, que je tombe ici, moi. Là. J'ai fini, Charlie. Tant mieux. Hop. J'ai fini mon hobby. Le savon, on va le mettre au-dessus des shampoings. Les hop. Pastilles, on va faire comme d'habitude, yes. On va le mettre ici. Oh là là. 750 niveaux. Regarde, j'en ai fait 725, donc. Mais là, c'est 225, ils étaient longs quand même. 250, ils étaient longs. Alors, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Du coup, les Chocapic, on va les mettre ici. Alors, non. Les Chocapic, on va les mettre ici. Ça va jouer. Capte de hobby. New hobby dans mes studios. Motivé. Les céréales, ça, on le remettre là. Donc, il n'y en a plus. L'huile d'olive, l'huile tournesol. Ah ben parfait, on finit le carton. L'huile, ça, j'en ai de toute façon. Chocapic. Chocapic, là c'est des Chocapic, donc les Chocapic avec les Chocapic. Du coup, la farine, est-ce qu'on en a? Allez, on remet la farine. Voilà. Allez, on va commander. Il est 7h. Alors, il est 7h. Allez, j'ai fini. Ok, heures, on va commander vite fait les boissons parce que là je suis à la rue. 2 Coca. Big, 5000 personnes, c'est ça? Voilà. Allez, on va faire les clients. Je pense que c'était au bill. Si je vois Coca. Alors, 29,75 €. Ah, sérieux? 10 centimes. Oh, donc tu construis ton lit. Ok. 8, 19. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 15, 2, 3, 4. Hein? Ouais, tu construis ton lit carrément là? Sérieux? 23,60 €. T'as pas envie d'en créer un perso. Voilà, donc du coup. Oh purée, ben. Est-ce que tu le crées toi-même, c'est ça la question? 38,85 €. What? 34,95 €. Ok. Non, 95. Hey.
Je suis bloqué. Ah, ok. Faut que j'attende. Ça va 14 nous lancer euros dans le. Dans un 91. jeu. Voilà, donc du coup, là. Ah ouais, mais les 9 heures du soir. Attends, est-ce qu'on a commandé du coup? Il me semble, hein. Allez, on paye les factures là. Ok. La licence 3500. 3500. 4400. Allez, on agrandit. Allez, hop, on agrandit. Du coup, on a de la place là. Ouais. Tant qu'à faire. Alors, comment je pourrais faire du coup? Non. Donc on va laisser comme ça. On va pas acheter les trucs. Les frigos, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On met les frigos là. Ouais, on va agrandir après. Tant qu'à faire, on va mettre comme ça. Donc les boissons là, on va le mettre. La limonade entre comme ça fera un. Ouais, ça fait un genre de d'espace comme ça te fait un trou. Coca, 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 coca. Ok. Donc coca, c'est bon. Deux étagères de Non. coca. Coca, on va le mettre dehors. Du coup, les boissons, on va le mettre ici. Ici, c'est quoi? Le PQ. Alors, le papier Q. Le papier Q1. Je voulais en faire On va deux, pas mais se faire. non. On va le mettre comme ça. Du coup, on va mettre les papiers toilettes comme ça. Ok. Ensuite, le jus de Oh fruits. Le jus de fruits. Le jus de fruits, on va le mettre à côté. là. Madame, si on fait en même temps, ça va pas. Deux étagères de Vas-y. jus de fruits. Je fais maintenant plus des étagères de jus Non! de fruits en entier parce qu'autrement c'est galère. Parce que c'est bien, mais voilà quoi. Jus de pomme, on a mis les jus de pomme. Jus de pomme, ok, on a mis deux étagères. Du coup, on va le mettre ça à côté. Bah alors, qu'est-ce que c'était? Allez, on y va. Coca. Alors, le coca, est-ce qu'on a mis le coca? Oui, là. Je mobile, je pense. On va mettre deux étagères. Ok. Deux étagères. Donc, du coup, en bas, je sais pas ce que je vais mettre en bas en boisson. Je vais voir. What? Ouais, c'est ça, un truc Ah, de ça, ouf. c'est la mimolette. Le fromage, œuf fromage, ça va ensemble. Donc, du coup, on va mettre la mimolette là. Ok. Ah, jus de fruits, on va mettre dessous le jus de pomme. Voilà, c'est plus logique. Voilà. Ok. Jus de fruits, j'en ai mis deux. Bon, là, on va le mettre un troisième, alors, du coup, parce que pour combler le trou. Voilà. J'ai pas le choix. Quand on n'a pas trop le choix, bon, on fait trois étagères, mais en général, c'est mieux en faire deux, c'est plus gérable. Ok. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, bon. Ouais, c'est Coca, parce qu'on était juste c'est pour bon. le On commence à faire du stock là un petit peu. Du coca, voilà, mais c'est ça. On va faire la dernière étagère. Voilà, hop. Comme ça, c'est bien. On commence à faire un peu de stock là. C'est ce qu'on voulait faire petit à petit. Voilà. Du coup, on va commander. Alors. Donc, je suis en train de réfléchir. Attends. Parce que en train maintenant, de réfléchir. on a deux produits. Alors, attends. C'est l'installation des trucs. Alors, attends. J'aime bien ce style de hobby. Ah bon? Ouais, c'est un hobby où tu es obligé de t'entraider. En fait, vous êtes obligé de vous aider. C'est Ouais. impossible de faire solo. C'est vraiment impossible.
Et qu'est-ce que t'en penses maintenant de mon supermarché Maracaï? C'est mieux comme ça? Disposition des produits, tout? Bah ouais, tu sais que je suis en train de faire parler. Tu veux être mon ami, ok? Je suis en train de parler. Suis en train de tout refaire là, tu vois? Ouais, non, c'est propre. En plus, du coup, est-ce que tu veux faire quoi exactement? Un supermarché, Oui, un super hypermarché, oui, bien sûr. Les Je factures peux ont parler d'autres. tombé. Allez, on paye les factures. Voilà. Maintenant qu'on est redevenu. Bon, en même temps, comme ça, j'ai fait. J'ai augmenté les. Alors, j'ai toutes les licences de mon niveau. Donc, il manquera juste acheter la licence niveau 30. L'agrandissement. Ouais, il m'en faut deux. Donc, du coup, je vais pas trop m'endetter. Je vais pas trop m'endetter. Du coup, ah oui, les pâtes. Alors, les pâtes, on a deux sortes de pâtes. Donc, du coup, 1, 2, 1, 2. Alors, ça, les pâtes, les pâtes, les pâtes, les pâtes, les pâtes. Ils sont où les pâtes rouges? Voilà, 2. Ouais, 152. Après, il me faut du lait. Donc, il me faut du lait et du fromage. Ok. Et ensuite. On est à 182, il nous manque encore deux produits. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On va remettre des bouteilles de lait. On va faire les choses par ordre. Et du fromage. On va finir le truc à fromage. Alors, qu'est-ce qu'on a en fromage du coup? Parce que j'ai cru voir d'autres trucs. Ah voilà. La mimolette. Ok. Ok. On va faire chose à chose. J'arrive plus à parler. Chaque chose à chaque chose. Parce que si je fais à droite, à gauche, on varie comme comme je faisais au premier coup, on s'en sort plus. Alors, café, eau. Donc, limonade, on a fait la transition entre les bouteilles d'eau et la limonade. Comme ça, au moins, on voit la transition des marques. Coca, coca. Pomme, jus d'orange. Le lait, on va le mettre en haut. C'est plus logique. Voilà, le lait là. Alors, le riz. Donc, on a le petit déjeuner. On a les farines, huile. Donc, à côté, c'est logique. Ouais. Pas trop logique, mais c'est logique quand même. Le riz. Alors, attends. En face, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en face? Le petit déjeuner, on peut mettre les féculents. Oui, féculents avec féculents. On va faire ça. Les féculents avec les féculents. Le riz avec le riz. Alors, est-ce que je mets un étagère ou deux? Bon, on va en mettre un. Et après, en fonction du truc, on changera. Donc là, 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 là. Donc du coup, on va ranger ici les féculents ici. Là, je mets sur le trottoir parce que dans le local, excuse-moi, mais il n'y a pas de place. Hein. Alors, là. Les pâtes en bas. Et où est mon autre pâte? Spaghetti. Ah, les panzani. Les panzani, on va mettre là. Parce qu'après, comme il y a d'autres produits qui arrivent avec les licences, ça fait qu'après, on n'a plus de place pour ranger les trucs. Alors. Ok. Ok. Alors, le petit, c'est quoi? Ah oui, là, le fromage. Le Ah oh, non, fromage. j'aime pas ce truc. Ah mais non! On peut faire deux. Ouais, deux le fromage. C'est chaud ça par contre. Panzani. Alors, panzani, pâte, 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 pâte. Avec les pâtes. Ok. C'est le premier live où je parle autant. Le lait. Alors, attends, on avait dit le lait. Alors, qu'est-ce qui est plus logique? Le lait, c'est avec le petit déjeuner. Allez, on va mettre avec le petit déjeuner, c'est plus logique. Les bouteilles de lait avec le petit de lait. Le comté. Enfin, on a du comté. Ok, ça c'est bon. Du coup, qu'est-ce qu'on n'a pas?
Parce qu'il nous manque encore plein de choses, mais... Ah, il nous faut de la viande, du coup. On va maintenant faire passer la viande dans les frigidaires, du coup. Alors, la viande, la viande. Alors, soyons Comment logiques. il s'appelle? Oh là là. Alors, on a du steak, du moussaka, du saumon, les plats. Saint-Jacques, j'en prends... Ouais, mais j'en écoute. Ouh là! On va être en rade de Non, sous. non. Ah oui, c'est vrai que j'ai commandé, je me disais. J'ai pas vu que j'ai appuyé sur le bouton. Du coup, on le met où? Dans les frigidaires. Alors, on a les boissons, les boissons, les boissons, les boissons. Du coup, on va faire poisson, viande, là, au dernier. C'est pas possible. Les poissons poisonnés, c'est là. Alors, le saumon, on va le mettre avec le plat cuisiné avec le poisson. C'est plus logique. Voilà. Je vais vérifier quand même les prix. S'ils sont bons. C'est une galère ici. Alors, les saumons, 3,50. On va le mettre au 3,65. 365, mais n'importe quoi, moi. 3,65. Non, Là, non, c'est non, non, 10. non. On va le mettre à 10, 10,50. 10,50. Voilà. Mais c'est chaud. Putain, en plus j'ai le message à chaque fois. Non, 10,80. Mais je suis dessus, c'est quoi ce bordel? Comme ça, on aura une large marge. What? En espérant que What? c'est pas trop cher. Les moussakas, alors ça part bien. Donc les moussakas, c'est la viande. Donc on va le mettre à côté. Plat Mais je cuisiné. suis sur sa tête! C'est quoi ce bordel? Alors, ça c'est bon. Et ça c'est quoi? C'est la viande. Donc la viande, c'est du charal en plus. Non mais non, pourquoi elle a bougé? Sérieux? Alors, il nous faut des Mais non, mais bouge cotons pas! de Ah! porc. Ah ça, il faut jouer avec tes amis, faut pas jouer avec des inconnus, ça va pas. Alors, côte de veau, on en prend un. Mais Alors, il nous pourquoi faut ça un me steak. décale? Ah, j'en ai pas Je assez. fais un truc, ça me décale. Oh là là. Du coup, on va Allez, ouvrir le bonne donc! magasin. On va vérifier les prix Bouge des pas. pizzas. 9 euros. Ouais, c'est bon. J'ai encore beaucoup hein, de pizzas. Hein. Voilà, ça prend forme. Ça recommence à prendre forme. C'est bon. Mais je suis sur sa tête. Oh là là. Là, ça me plaît. Ça commence à prendre forme. Ça me Oh plaît, ça, là. elle est même belle. Regarde, qu'est-ce Je sais que t'en même pas penses, pourquoi je me suis Maracaï? C'est lancé dans mieux ta comme vie. ça, hein, que j'avais fait que le premier. Ouais. Ça me fait penser au jeu de restaurant. Hein, regarde, c'est mieux, Bon, hein. je quitte. Bon, il n'y a pas tous les produits, mais c'est déjà mieux, hein. C'est inutile là. Mon Charlie, qu'est-ce que t'en penses, mon Charlie? Et Tom, qu'est-ce que t'en penses, Tom? Il y a qui encore sur le live? Ah, yes. Tom, ok. Ok, je fais juste un petit checkpoint avec les gens. Nous faut un bleu là, il nous faut un bleu. Du Il nous coup, faut un bleu. 164 euros. Donc, 164. Moi, je parle pas en dollars, hein, va chier. Moi, je suis français. Alors, bâtonnet de crabe. Ah, ouais, ça, c'est. Hop. Côte de veau, 404. On va acheter le poisson. On va faire un frigidaire de poisson. On va faire un frigidaire de poisson et une frigidaire de viande. Je sais que c'est pas très logique, mais voilà. Dans le freezer. Ah, c'est dans le freezer. Qu'est-ce que j'ai dans le freezer? Pizza. On va mettre poulet frites.
Là, on va faire là. Pas évident là. Oh lolo. Vraiment pas évident. Et là, le prix des bâtonnets, du coup, on va mettre. Tant qu'on va en faire un peu de marge. 11, je pense 60, c'est bien parce que ça va. Je pense que c'est des nouveaux produits, donc ça va vite partir. Par contre, les pizzas, on va les baisser. À place de mettre 9, on va mettre 6,50 € ou 5 euros. On va mettre 5 euros. J'espère que ça va vite partir. On est en perte, alors attends. 5 euros. 6 euros. Ouais, on a une petite marge. Attends. C'est combien la base? 8 euros. Ouais, il y a une petite marge. C'est bon, ça va vite partir parce que. Il faut que je libère cet emplacement pour mettre autre chose à côté. Alors. Après, je remonterai. Alors. T'as la pointe. Ok. Alors, il me faut du papier WC. Papier WC. Papier WC. Alors, papier WC. Ah, je voulais faire les sauces. Est-ce que j'ai assez pour les sauces? Oui. Donc ça c'est bon. On va faire ça. Là, on va mettre les sauces. Parce que ça fait un petit moment que je voulais faire les sauces. La mayonnaise, on va faire à côté des pâtes. Donc mayonnaise pâte. Voilà. Du coup, le ketchup. Non, ça c'est la sauce piquante. La sauce piquante, on va mettre à côté du riz. Bon, bah c'est mort, je peux pas continuer. Bon, changer de hobby, ça sert à rien. Et la Jouer sauce solo, c'est tomate, celui-là, on va le c'est mettre impossible. à côté des pâtes. C'est plus logique. Voilà. Là, ça commence à ressembler à quelque chose, mon supermarché. Même avant, c'était. Même avant, je veux dire, ça ressemblait à quelque chose aussi. Mais il y avait beaucoup de trous, du coup, je le comblais avec des produits. Vu qu'on n'avait pas beaucoup de licence, avec n'importe quoi. Et des fois, ça correspondait pas à l'image qu'on veut donner. Et que, vu que j'ai agrandi un petit peu, ça fout un petit peu dans la merde, ça c'est sûr. Mais au moins, ça ressemble à quelque chose maintenant. 3,30, la mayonnaise. 11. C'est cher pour la mayonnaise, hein, 11 dollars. Oui. 4,10. Bon, les sauces piquantes, c'est bien. Le riz. 7, Non. 6,63, on va le mettre 6,80. En Attends. plus, il faut toujours boucher les prix, c'est ça qui est chiant. 6,65, ça c'est bien, on a un peu de marge. 3,90, c'est trop cher. 3,25. 3,25, c'est bien, ça va vite partir. L'huile. Voilà. En général, les prix, ça bouge pas trop. Maintenant, ils arrivent à. Je pense qu'ils ont fait une mise à jour que les prix, ils bougent pas trop. Avant, ça bougeait énormément les prix. Et là, j'ai l'impression qu'ils bougent plus trop. Donc ça, c'est bien. Parce qu'au moins, tu mets un prix, au moins, c'est fixe. Alors, ça, c'est bon. Du coup, papier cul. Alors, comme ça, c'est bon. Alors, papier cul, on va le mettre là. Ici. On va essayer de ranger par ordre. Donc, ça, papier cul, on va le mettre avec les trucs d'hygiène. Les gels douche, on va le mettre avec les trucs d'hygiène. Comme ça, on a le stock et on est rangé vers le truc. Donc, les pâtes. Les frites surgelées, on va le mettre là. Tout ce qui est surgelé, on va essayer de le mettre là. Le thé. Ça fait un moment que j'avais pas de thé. Du coup, je le range comment le thé? Là. On va le ranger là. Et à côté, on va mettre du café. Et après, on essayera de faire un. Quand ce sera légèrement plus grand, on va faire vraiment deux étages de chaque fois. Mais là pour le moment on est trop petit encore. Les céréales, Faut je sais prendre que ça son temps. passe.
Ça passe vite les céréales. Alors, 48. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Aïe, aïe. Il a acheté 3 bouteilles de mon cul, lui. 50, 70, 80, pas le toucher. 85 et 40. Oh, c'est chaud, là. Mais je... 31,60€. €12,80. 32,05€. Ah, oh, mais ça c'est abusé si je me prends ce message à chaque fois que je meurs. En plus, ça met du temps à respawn. Alors 42,25€. Alors il est 9h, donc du coup on va commander du shampoing. Alors il me faut du shampoing rayon, du shampoing et du savon, on en a plus. Donc du coup on va mettre un petit peu le rayon hygiène à jour. Alors du savon on va prendre un, le shampoing on va prendre un, et on n'a pas fait, on n'a pas fini le rayon viande. Alors la rayon viande, ouais, il y a d'ici. Est-ce qu'il nous faut c'est des quoi, tu... bâtonnets de crabe? Est-ce qu'il nous faut des bâtonnets de crabe? Aïe, il sort vite. Alors déjà, je remplis un petit peu le magasin, c'est mieux, hein. Il y a un petit peu de tout, pas beaucoup, mais un petit peu de tout. Non mais non, je pensais qu'il était rentré. Oh Alors, là, l'hobby est chaud. j'en arrive à payer les factures et on arrive aussi En fait, ça freeze. à faire les trucs. Et du coup, c'est... Oh. Vu que ça freeze un peu... Évident. Aïe, aïe. Ok. Ouais, c'est un genre de jeu de boucherie. C'est un hobby. Et tu dois pas te toucher. C'est vrai que j'ai pas vu, Charlie, un jeu de boucherie. Ah bon? En simulation. Ouais, bah non, j'en ai pas vu. Il y a des jeux hobby en simulation. En simulation, en hobby. Il y a des hobbies de boucherie, mais pas de hobby, en On a les simulation. frites. Alors les frites, on a dit à côté des pizzas. Ok. Alors est-ce que il m'a délivré? Il en reste un encore. Non! J'en ai marre. Il y a combien de niveaux? Le riz. Le riz. Alors attends, depuis le temps, on n'a plus de riz. Eh ben ouais. Suis pas du genre à abandonner, mais l'autre, je l'ai quitté parce que du coup, je pouvais pas le faire en vrai. Les Tout seul. pâtes. On n'a plus de Pas jouer pâtes. tout seul. Celui-là, ça va encore. T'as fait des soirées plusieurs fois et... Ouais. Les panzani. Là, les panzani. Alors, qu'est-ce que je peux mettre en bas des pâtes? Qu'est-ce qu'on avait pris en bas des pâtes? Ben, on va mettre les pâtes. Comme ça, au moins. Oui, c'est pas là. Parce que je trouve pas de produit. Alors, le savon. Du coup, le savon, on va le mettre en haut des savons. Voilà. Bonjour aux gens qui arrivent sur le stream. Du coup, le savon, on va le mettre avec les produits ménagers. Le coca. Alors, les boissons, on va remplir un peu les boissons parce que ça fait un petit moment que. Heureusement que j'y pense à le remettre. Bon, j'ai pas Allez, grand-chose en boisson parce que j'ai en train de tout refaire. Merci Shiva, bienvenue.
quoi? That. Voilà. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. Bâtonnets de crabe. Ah ça je n'ai pas de bâtonnets de crabe. Et des glaces. Ah oui, il me faut des glaces. Oh là là. Pourquoi il faut aller nouveau dans ce lobby? Oui. Ouais, je pense à travers. Merci pour le follow. Alors, les bâtonnets, ils sont là. Heureusement que ça périme pas dans les cartons, hein. Moi, je ne ferais pas toute la perte qu'on ferait. Oh, je m'y attendais pas là, par contre. Alors, tout ce qui est surgelé, je vais le mettre là. Hop. Ok. Voilà, ça va être. Chocapic, on en a. Ah, les chocapic. On a deux sortes de céréales. Donc, ce qu'on va faire. On va faire comme ça. Et on va. 243, on va en mettre les miel pops là. Hop. On va commander deux les miel pops comme ça au moins. Au niveau des céréales, comme ça, je toucherai pas. Ah, il y en a combien? Oh là là. Ils sont où les miel pops? Alors les miel pops. Ils sont là les miel pops. Allez. 5. Ah, les gâteaux bon maman, ça part bien ça. J'en prends deux. Et des bonbons, j'en prends deux aussi. Voilà, il me reste plus d'argent. Mais au moins ça va vite partir. Alors ça c'est quoi? C'est bon maman. Alors les bonnes mamans, on va les mettre à côté de ici. On va mettre les gâteaux ici. Voilà, les bonnes mamans ici. Les bonnes mamans. Alors attends, on fait deux étagères ou pas? Ouais, on fait vers deux étagères. Tiens, je ici. Voilà. Donc bonne maman ici. Donc là, les céréales, on va les mettre en douce à côté des chocs à pic. On va faire deux étagères, comme ça au moins ça, au moins il y aura du stock. Là. Les bonbons. Alors les bonbons, on va les mettre en tête de gondole. Mais j'ai pas de tête de gondole, du coup. Du coup, on va le faire comment? Je suis en train de réfléchir comment je pourrais faire les bonbons. Donc du coup, je suis en train de réfléchir. Ben en dessous hein, les gâteaux. Non, là il y aura des gâteaux donc en dessous, en bas. Il hein, n'y a pas trop le choix de toute façon. Oh non. Tombé comme une merde. Tombé. Ah voilà, c'est les gâteaux. Donc les gâteaux, on va le mettre en dessous. On a des gâteaux. Du coup, ça prend forme, mon Charlie. Ça recommence à reprendre forme. Donc, du coup, là, on a l'huile. Chocapic. Alors, attends. Donc, là, c'est pour les gâteaux. Donc, du coup, la farine, tout ce qui est farine, on va le mettre ici. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à faire.
L'huile, Ouais. on va le mettre à côté des farines. Donc du coup, comme ça, on va le mettre là. Et comme ça, les Chocapic, on va les mettre là, tout ce qui est céréales. Et là, tout ce qui est surgelé. Donc là, on a tout ce qui est boisson. Là, on a tout ce qui est hygiène. Donc déjà, on a fait par zone. Ok. Alors, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque du thé, il nous manque plein de choses, mais par contre, on va ouvrir parce qu'avec 36, avec 36 euros, je vais pas aller loin, moi. Alors. Bon. Déjà, on refait le magasin. Parce que j'étais en train de refaire. Alors, pour les gens qui arrivent, on a fait le supermarché. On avait quelques produits bien rangés. Des stocks de frigidaire avec des boissons, on va dire, entiers. Que c'est inutile parce que c'est de l'argent dépensé pour rien. On avait des produits un petit peu. Alors, les produits bouche-trou. On avait tout et n'importe quoi dans les rayons. Donc on avait par exemple du céréal, du café, on trouvait des gâteaux, voilà. Enfin, c'est un exemple. Et là, je suis en train de refaire le supermarché avec les rayons correspondants. Parce que j'ai débloqué d'autres licences. Et du fait, on a débloqué d'autres produits. Et vu que j'ai des nouveaux produits qui arrivent dans les commandes. Ça fait que j'ai dû tout vendre pour refaire le réassort. Voilà les gens. 26,65 €. Ok, fromage. 23,70 €. Madame, 16 €. Ah, ça y est, je l'ai fini. Alors attends, c'est combien? 90, Oula! 50. Je pense avoir fini. Ah ouais? Je pense l'avoir fini, putain. Ah, il était pas évident. Il n'y avait pas beaucoup de niveaux, hein. Ah ouais? Ouais, il y avait genre. Il devait avoir quoi? Bah, il y avait 27 niveaux au total. Il y avait 27 niveaux hardcore, hein. Laisse tomber. Viens au supermarché, rejoins-moi. Le supermarché. Vas-y Maracaï, viens me rejoindre. Je voudrais bien, je peux pas encore. J'ai un autre jeu de supermarché. Au pire, moi, j'aime celui que j'ai fait hier, il était top. Ouais, mais t'as, si Ouais, t'as avancé, tu m'as même pas entendu, Maracaï. j'ai commencé un peu. Ouais, s'il faut, ton supermarché est avec Ok. beaucoup d'argent, les rayons remplis. Et moi, Non, non, je vais non, arriver comme un pauvre, il va dire, oh putain, le clochard. non. Je te connais, hein, je te connais. Tu vas dire, le clochard, il a rien, le clochard. Et après, quand je vais voir ton Non. supermarché, il va dire, oh putain. Mais non, j'ai pas trop avancé. Hier, j'ai même arrêté. Tu sais que j'ai même arrêté un peu plus tôt. Je me suis dit, je vais attendre Charlie pour le faire. Sérieux? T'as dit ça? Bah ouais, bah tu pourras demander à Kiki. Mais en soi, je me suis dit, au pire, je vais attendre. Et Ah après, tiens, j'ai le temps, pareil. je vais demander à Kylian et je vais voir parce que. Là, je fais des hobbies depuis tout à l'heure. J'ai Hein? fait celui-là. Je fais des hobbies depuis tout à l'heure. Ah. Alors, 63,75 €. Je suis en train de faire un peu tout ce qui On va est essayer de faire un produit. peu d'argent. On va essayer de rembourser le prix maintenant que le commencement, on va dire, je commence à être un peu bien au niveau des rayons. Bon, même si les rayons sont vides, je commence à être bien parce que du coup, avec le prêt, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Il n'y a pas de sac de pommes de terre, oui, je sais. Et ouais, ça m'a beaucoup aidé du coup pour relancer on va dire mon supermarché. Parce qu'il y avait des trucs qui étaient. C'était bien, mais quand vous agrandissez comme ça, au début vous commencez petit.
Alors, vous avez tendance à acheter beaucoup de choses, beaucoup de... Parce que même moi, j'ai fait un peu l'erreur, hein, mais après, je me suis rectifié, mais j'ai fait quand même l'erreur, hein, comme tout le monde, hein. J'avais pas trop le choix parce que le jeu était comme ça. Et du coup, vous achetez beaucoup de... étagères avec beaucoup de produits, et vous vous retrouvez vite saturé dans le magasin. Et quand vous agrandissez, la première chose que vous faites, c'est que vous réapprovisionnez vos produits dans les rayons. Alors après, le souci, c'est que des fois, les rayons, vu que c'est petit, ne correspondent pas à votre image. Donc du coup, vous devez tout vendre, essayer tout vendre pour essayer de reacheter petit à petit, pour remettre à votre image on va dire les supermarchés classiques, dont les petits déjeuners avec les petits déjeuners, les céréales avec les céréales, comme je fais. Et du coup, ça coûte de l'argent. Et quand vous agrandissez, tout au début, des fois, vous n'avez pas l'argent pour pouvoir prévisionner. Et c'est vrai que si vous n'avez pas pris une bonne méthode, comme ça s'appelle, de réassort de vos étagères, vous pouvez vite aller vite dans les rouges et après vous avez du mal à remonter. Mais bon, l'argent quand même monte assez rapidement. Mais à la base, faut avoir une structure, on va dire, des étagères bien construites. 90, attends. 50, 75, 80, Hey Charlie, 90. le cinéma quand tu l'as fini, stylo ou pas à la fin? Tu te retrouves avec 4, 5 salles, avec le réparateur, les mécaniciens, et puis après le fast-food, et puis les 4 murs autour, deux fois le parking, et puis voilà. On va dire un Ok, cinéma oui. classique, quoi. Donc je vous disais que voilà, parce que moi je fais l'expérience, vous voyez que j'ai encore agrandi, vous voyez. Et du coup, j'avais acheté bon quelques étagères, j'ai acheté un frigo, voilà, j'ai acheté ça. Mais c'est que quand j'étais petit, j'avais les produits un peu n'importe comment, parce que vous n'avez pas le choix. Et quand vous grandissez, que vous achetez, justement, ça vous fera mal, ça vous fera mal. Et après, quand vous rachetez petit à petit vos provisions, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de trous. Sur les étagères parce que vous pouvez pas tout acheter. Et du fait, après, vous commencez à faire du bénéfice. Et avec ces bénéfices, vous achetez légèrement un peu plus de produits pour mettre dans vos rayons. Et à partir de là, quand vous avez votre roulement, logiquement, vous avancez dans vos provisions. Parce que vous pouvez faire des stocks, vous voyez. Moi, ce que j'ai fait là, quand j'arrive à un certain niveau. Parce que je suis pas encore à fond dans le jeu. Vous voyez que le magasin, il est quand même, le supermarché est quand même, on va dire, un moyen supermarché maintenant. Et c'est vrai que le réassort des étagères, j'avais du mal parce que j'ai tout vendu, j'ai vendu tout mon stock. Et petit à petit, j'ai dû faire, comment ça s'appelle, du stock dehors. Vous voyez les cartons dehors. Un petit peu rangé parce que dans le local c'est trop petit. Du coup, j'avais fait la première. Moi, quand j'avais fait le premier supermarché, ma première partie, on va dire, où on commence le jeu, j'ai utilisé, comment ça s'appelle, le local. Mais il y avait tout n'importe quoi. Il y avait du saucisson, je dis n'importe quoi. Il y avait des céréales, de la viande, du lait. Et là, c'est vrai que j'avais vu un streamer. Il avait bien rangé son trottoir. Classé par ordre, donc hygiène avec hygiène, le lait avec le lait, les viandes avec les viandes. Et il avait un long trottoir, assez long, ça fait un peu pourri, mais on n'a pas trop le choix pour le moment, parce que les mises à jour ne sont pas encore disponibles. Donc j'espère que plus tard on aura un local plus grand pour avoir un petit peu plus de stock et puis qu'on rangera propre. Mais je trouvais ça très intéressant, donc du coup j'ai copié un petit peu son modèle de trottoir. Pour mieux m'organiser et du fait je devais tout vendre parce que le souci c'est que quand je ne vendais pas tout je si vous voulez si vous achetez régulièrement les produits votre ressort de votre image on va dire de vos étagères ne seront pas vierges donc du coup vous pouvez pas repartir sur du nouveau
et vous pouvez pas comment on appelle ça conception, voilà, vous pouvez pas la faire la, votre conception, je veux dire, de votre magasin à votre image. Et pour ça, quand vous avez quand vous devez faire votre conception de votre image à l'intérieur, votre design de des étagères plus les produits, il faut tout vendre parce que plus que votre magasin est vierge, plus que vous repartez petit à petit, donc bien sûr, vous n'avez pas d'argent. C'est sûr qu'au début, vous allez avoir un petit peu de galère pour stocker un petit peu sur votre trottoir ou sur votre local à réception. Mais voilà, après petit à petit, moi j'ai commencé petit à petit, j'ai tout vendu, j'ai recommencé à faire le stock un peu de trucs. J'avais du mal à faire mes produits. Et vous voyez, petit à petit, j'ai acheté produit par produit et j'ai mis rayon par rayon, comme je voulais en image. Et maintenant, j'arrive maintenant à une image, on va dire, assez correcte. Donc, du coup, bon, bien sûr, il me manque encore des produits. Mais j'arrive maintenant à faire une image que j'aime. Ah ben voilà, les pizzas. Voilà, maintenant je peux augmenter les pizzas. Les pizzas sont parties du coup. Donc 8,91 €, je vais mettre 9,10 €. Voilà. Parce que j'avais des pizzas, si vous voulez, à côté du surimi. Ouais, c'est du surimi. Et du coup, je pouvais pas mettre des trucs à côté. Donc on va faire un bac de surimi. On va faire un bac de surimi. Ouais, on va faire un bac de surimi en attendant. Voilà. Et là, c'est quoi? C'est les bons becs. Alors, les bons becs, j'avais dit qu'on avait mis où? Ah oui, là. Donc là, le présentoir à bons becs. Du coup, les bons becs, on va les mettre à côté des céréales, quoi. Là. On va mettre là. Voilà. Donc, du coup, il est 9 h. Il est à 1300. Alors, au niveau du crédit, où j'en suis? Parce qu'il faut qu'on regarde le crédit. Alors, on va essayer de payer les factures avant de commencer le truc. Non. Alors, attends. On va faire la journée, on va payer les factures. Comme ça, on va déduire les loyers, factures, coûts, mise à niveau. Ok. Malgré que je faisais un grand emprunt, parce que j'ai fait le plus grand emprunt avec un maximum d'intérêt, j'ai l'impression que c'est pas pris en compte et j'ai l'impression de gagner plus d'argent en faisant un emprunt. C'est hallucinant. Facture, licence. Alors attends, c'était où banque? Ah voilà, banque. Montant remboursé anticipé 4 600. Ils m'ont donné de l'argent quoi? T'as montant remboursé anticipé. Donc attends. Ça veut dire Oh qu'ils me prélèvent. Il me prélève combien? Parce que là, quotidien, c'est 120, 37, vous voyez? Donc là, c'était combien? Je me rappelle plus. Mais j'ai autant d'argent. C'est ça que je comprends pas. Je commande et j'ai autant d'argent avec le crédit. Ça veut dire que je gère bien mon crédit. Tant mieux pour moi. Donc on va prendre les produits ménagers. Donc un carton, carton de PQ. Shampoing et on va faire ça. On va faire, si vous voulez, quand maintenant, moi ce que je vais faire, c'est que je vous Oh donne la non. technique. Alors, s'il y a des gens qui veulent se lancer dans Supermarché Simulator, moi je vous Allez-y. conseille. Bon, au début, vous n'avez pas le choix, vous commandez un peu n'importe quoi, un peu de jambon, un peu de lait, un peu de. Oh merde, j'en avais. Bon, c'est pas grave. Un peu de tout, vous voyez. Et quand vous commencez à arriver à un niveau, on va dire moyen comme là, et que vous commandez un petit peu de tout, changez de stratégie. Donc, si vous écoutez ce live, tant mieux. Si vous refaites le replay, vous avez les astuces. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que là, tu vois, bon, je commande un petit peu, tu vois, je stocke du coup le PQ là. Et vous commandez par secteur, c'est-à-dire. Alors, je m'explique. Par secteur, c'est-à-dire que
vous faites des commandes de farine. Et si vous pouvez, vous faites des commandes farine et pâte parce que c'est les mêmes produits. Parce que ça va ensemble. Et une fois que votre étagère est remplie, vous passez à faire une commande, par exemple, de tout ce qui est hygiène, comme je fais. Et donc, dans l'hygiène, ce que vous commandez... Salut, Dilox. Ce que vous faites pour les trucs d'hygiène, c'est que, par exemple, moi, ce que je fais, c'est que là, je passe une commande. Par exemple, je prends des pastilles. Je prends en même temps un petit peu de shampoing, un petit peu de savon, un petit peu de javel. Vous voyez, vous faites des commandes par l'eau. Vous voyez ? Donc, quand c'est l'hygiène, vous faites l'hygiène. Quand vous faites le fromage, ben, vous essayez de commander... Vous pensez de commander le fromage avec le lait ou le fromage avec du beurre, vous voyez, en fonction de ce que vous voulez faire. Et puis, vous faites secteur par secteur, comme ça. Et je pense qu'au niveau de la gestion, eh ben, ce sera beaucoup mieux. Moi, je trouve que c'est beaucoup mieux parce que je commence à faire ça et honnêtement, je m'en sors hyper mieux. En parlant de ça, on va prendre du thon. On va faire le fromage et on va faire les pommes de terre parce que les gens ils demandent des pommes de terre. Du coup, les pommes de terre, on va faire un sac de légumes. Non, c'est moi qui parle fort, Charlie. Alors, là, le thon, on va mettre avec le poisson parce que c'est plus logique. Oula, trop bien timé ça. Non, j'ai pas tout bloqué, c'est un bug, Charlie. Non, j'ai pas tout bloqué, c'est... Oula. Ça doit être un bug. Regarde, moi je t'écris. Donc c'est un bug. Fais F5. Ça doit être un bug d'affichage. Je fais un hobby d'un genre de donjon, il déchire. Parce que t'as l'impression qu'à chaque fois tu dis ouais Charlie quand je peux plus écrire un message privé, tu bloques. Non, je bloque rien, Charlie. Alors, attends. T'as combien de niveaux? Ah, quand je m'y attends pas, c'est dur. Ok, donc le truc chaîne, normalement, c'est pas trop pointu alors. Donc attends, c'est où le truc pour les messages? Waouh! Comment je savais que c'était à droite? Y'a même pas de flèche. À gauche. Alors attends, je vais regarder les trucs des messages. Oula! 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 Ouais, vérifie Charlie que t'as pas bloqué les MP. J'ai rien touché. C'est ça le pire. Ouais. Demande annulation de bannissement. Ok. Empêche les personnes bannies de votre stream. Ok. Réservé aux abonnés. Non. Outil de modération. Ok. Épingler les messages. Mais non, il n'y a rien, Charlie. Ouais, stylé le dragon. Alors attends. Retiens automatiquement les messages.
Ok, attends, les messages dans les termes seront bloqués sur le chat, c'est pas ça. Lorsque cette option est activée, les personnes susceptibles contourner le bâtiment, c'est pas ça. Attends, je regarde pour les messages privés, hein. Ok, la sécurité, ça c'est bon. Ok. Lorsque Ouais, cette c'est quoi, c'est bon. fonction... Oula! Ça, oui. C'était là. Ok. Réservé aux followers, ben éteindre. Ok. Réservé aux abonnés. Non. Les abonnés et modérateurs peuvent discuter. Ça, c'est cette règle. Outil de modération. Permet les modérations. Consulter l'historique des bannissements. Ok, ça oui. Épingler les messages. Les messages dans le chat. Ok, merde. Ben, c'est tout. Il n'y a Wow. rien, Charlie. Wow. Tu peux m'écrire, hein? Il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien. J'ai rien touché, hein? Bug. Ça doit être un bug, hein, Charlie, hein? Et merde. Je sais même pas il y a combien de niveaux dans ce truc. Mais tu veux regarder ça après, quand j'aurai fini le live. Non, il n'y a rien, mon Charlie, hein. Tu peux écrire dans des messages privés. Il n'y a rien, j'ai rien bloqué. Hein. J'ai regardé même dans les paramètres, il n'y a rien, hein, en MP. Hein. J'ai rien touché. Hein. Oh. Tu dois avoir, peut-être t'as dû avoir un petit bug. Un petit bug, mais j'ai rien touché. Hein. Tu peux m'écrire. Hein. Oula, oula. Ce message, il me saoule. Pourquoi il me l'affiche? Je regarderai après le stream. Je Ah, regarderai après le stream. c'est marrant. Non, non, mais pas possible. Donc du coup, on reprend le jeu. Non. Est-ce qu'on a les frites? Ah, les Ouais, frites, on n'en descendu, a c'est plus bon. depuis longtemps. Il faut commander des frites là. Voilà. Deux, les frites. Le dernier saut. Voilà, attends, des frites, ça c'est bon. Pommes de terre. Alors les pommes de terre, je vais les mettre où? Je crois que je vais faire une étagère de pommes de terre. Voilà. Oh, c'est 25 niveaux. Je pense. C'est comme note. Je vais faire une étagère de pommes de terre comme ça parce que c'est des trucs qui partent vite en plus, hein. Le thon. J'ai rien touché, ce qu'il me dit Ah là. bon, ça c'est bon. Donc là, le surgelé avec le surgelé ici. Des frites. Pas dessus. Un bac de frites. Hein. Ah, le pistolet. Ah oui, mais j'ai plus de. Ouais, je suis pas dessus. Qui me raconte? Attends. Tu vois, ça change le truc. Je vais demander. Ah merde. Bon. Oh. Tant pis, je le mettrai pas. Je le mettrai plus tard. Donc les produits hygiéniques, attends, on va dire. Ah, il faut chier avec la chaîne. Ça pourrait se mettre dans ce cerveau. La javel, je vais commander une bouteille de. Ouais, je vais faire de la javel. Alors, la javel, comme ça, au moins, comme ça, j'aurai le carton où je pourrai bouger. Il doit avoir 20 niveaux. Parce que je vois que le premier est bloqué à 20. Il doit avoir que 20 niveaux.
Je vais faire une boulette. Voilà. Donc comme ça, on fait ça. L'hygiène avec l'hygiène. Donc du coup, le pistolet, vu que maintenant j'ai fait le... C'est pour ça qu'il faut toujours garder un carton sur vous. Comme ça, vous pouvez modifier un peu. Oh, ils sont sérieux de me faire marcher tout ça. Le fromage avec le fromage, du coup. La mimolette, il en reste plus, hein. Donc, faudra que j'en fasse. Ben voilà, déjà ça fait propre comme ça. Par contre, attends, je vais commander les deux thés et les deux cafés. Parce que autrement, je vais pas m'en sortir moi. Alors attends. Les deux thés. Donc un thé là. Un café là. Et il me fallait en bas, je crois que j'avais du thé et du café du coup. Ouais, c'est bon, fini. Là, du thé. Il est où le café là? J'avais un autre. Ah voilà, café. Voilà. Celui-là, Voilà. je voulais pas le faire, mais bon. Donc du coup. Le café, on va mettre ouf le café. Ça, on va attendre un peu. On va attendre un peu. Celui-là, on va attendre un peu là. Hop. Le thé, voilà, c'est ça. Ah, jolie la boîte en plus, hein. Ok, du thé. Ok, Si, ça c'est si, bon. j'ai ma lampe torche. Le café noir, on va le mettre là. Je vais mettre personne. Non. Et ça, c'est quoi? C'est le Oula! thé. C'est censé être un jeu d'horreur ou quoi? Déjà, on a un petit peu de tout. On a de la viande, on a un peu de pâtes. Les pâtes, de toute façon, on en a pas stocké, hein. Non, il faut que je recommande. Spaghetti et riz. Moi, je vais pas On me a faire. encore un peu d'argent, donc on va faire spaghetti et riz. Spaghetti et riz. Je viens de tuer un stand. Il s'en doutait en plus. Oh putain, Donc faut que voilà, je fasse les ça. spaghettis. Non, c'est pas ça. Il n'y a pas un truc pour éteindre. C'est le Je sais truc pas moi. éco là. Le truc éco, voilà. Truc éco et le riz. Quoique, après, attends, on est 68. Ah ouais, on peut faire les 3, c'est bon. Je pensais qu'on n'avait pas assez pour faire les 3. On a peut faire les 3. Oui. D'accord, mais attends. Donc voilà, là. Comment je passe là? Ok. Je saute aussi. Alors, les pâtes, est-ce qu'on avait des pâtes? Farine, huile, pâte. On va mettre là. Le riz. On va remplir là. Ok. Et les Je spaghettis. Merde. vais pas prendre quelque chose avant. Oh non, pas de labyrinthe. Oh! Elle va me choper. Ah, elle va me choper. Voilà, déjà on a tout. On va ouvrir maintenant. Et c'est bon. Là, on a un petit peu de tout. On a un petit peu de tout. On a de la viande, on a du poisson, on a du thon,
On a un peu de fromage. On a un... Bon, après les œufs, ça viendra après. On a un petit peu de lait, un peu d'eau. Ouais, bon, c'est quand même assez pauvre, mais déjà, depuis tout à l'heure, ça se remplit bien, Ok, quoi. la grille est cassée. Allez, je coupe mon micro, je vais faire une pause de 5 petites minutes et j'arrive. What? On peut m'entendre. On peut m'entendre. Ok, j'ai même pas le temps de sauter. Pas possible. Pas reprendre la gueule. C'est quoi ce saut, sérieux? Ah, attends. Non, c'est qu'il y a moyen de faire le saut, c'est obligé. Voilà. Ah non, pas des tapis. Ah bah ouais. Des tapis roulants. Voilà. Oh, je pense qu'il faut pas que je vienne dedans en plus. C'est vrai, ils ont mis le genre de trop soleil. À partir de la lumière rouge aussi. 10 50 10 50. Écoute ce jeu. Ouais, il est bien fait. On va essayer de vendre un tout petit peu. Parce que là, j'ai fait quand même assez d'achats. Et on va essayer de vendre un tout petit peu pour faire un petit peu d'argent. Oula, je vais éviter un gros robot géant en montant sur les blocs. Kevin, ah ouh. Ah, comment je monte? Il me chope là? Ah oui, s'il peut me choper. Ça a été dur, mais ça y est, je commence à voir la tête de l'eau. Ça y est, j'ai tout refait, je commence à refaire mon stock. C'est long, hein? C'est très long, hein? Et là, je commence à voir la tête de l'eau, c'est bon. Ah! Ce qu'on va faire, on va commander deux cartons d'eau. Parce que j'ai vu que au fond, il y avait presque plus d'eau. Oh, on dégringole. La porte. Voilà. Oula. C'est vraiment ça. On va remettre de l'eau. Je vais croiser l'autre, je le sens. Je l'entends. C'est un jeu d'horreur encore, tu joues? Ouais, derrière moi. Bah, c'est un hobby, mais un hobby d'horreur. Oh, il va me choper.
là. Bon, Ah, mais j'avais plus d'eau, ouais, c'est ça. J'avais plus d'eau. je pense que c'est peut-être pas grave. Non, je peux devoir faire ça. Oh! Ah merde! Oh, bravo! Direct dans la lave. Oh! Alors, 49,15 €. Non, c'est dur. Oula, faut être précis. Oh non, oh non, oh non, oula. Ah ben putain, je suis con. Je suis con, mais je suis con. Eh ben oui. Eh ben oui. Ça On a un C. Eh ben oui. Les factures qui est embauchée. Eh ben voilà. On embauche un troisième truc. Maintenant voilà. Maintenant je peux faire mes. demande bon ben on y va hein. C'est un tuyau comme Mario. Ah, ils sont sérieux, De quoi? ils ont créé un genre de mode on dirait. Bah en fait dans le hobby t'as plusieurs trucs. Et ça, à un moment, t'arrives dans un genre de truc, tu rentres dans un tuyau et c'est comme Mario. Bonjour Rode. Ils sont sérieux là? Alors les œufs, ça 2. Et les œufs, alors le beurre 2. Et on va rajouter N'importe quoi. les œufs. Ah, il Voilà. me court après! J'avais pas vu. Ah! Tiens. Wouhou! Oh ouais, carrément. Code, c'est hobby, sérieux. On va pas se mentir, il est stylé. Cet endroit était fou. Non, franchement, il est top le jeu. Ils font vraiment des bons jeux. Ouais, je passe comment là? Attends, j'allume pas ma lumière, peut-être tu veux pas me laisser passer. Voilà, on va commenter les trucs. Hein. Ah non, ok, je viens de là, donc je dois aller là. Oh non, encore un passage comme ça, j'aime pas ça. Du coup, on va. Alors, les œufs. Ça fait un petit moment que je n'avais pas vu. Ah ben oui, j'avais plus rien. Y a des cadavres. Ah d'accord, c'était toi ton streamer. La farine Ok, là donc je dois pas les toucher. Sérieux? les lampes là les lampes Il ouais, y a combien de niveaux, mais là. oui, je rejoins le mec qui était devant. Les jeux ici. Oh, rassemble un jeu. Attends, ressemble à un jeu fighting plateforme. Je dois éviter les plateformes en chute. Ah non, ils ont vraiment vraiment voulu faire un jeu comme là. T'as vu le jeu de Fall Guys? Avec les cercles qui tombent, tu dois bouger. Ben, ils ont refait ça aussi. Ouais. Franchement, le créateur, il envoie. Hein. Faut que je fasse attention, du coup. Parce que là, du coup, c'est pas des chutes où tu tombes toi. Ah bah, ben, je suis tombé. Ah ouais, il faut que je survive jusqu'à quand? Le beurre, c'est fait. Et le beurre, on va le mettre avec le beurre, on va le mettre
Franchement, ils ont envoyé des petits jeux comme ça, c'est propre. On va le mettre là. C'est dur. Ça, c'est dur. Ok. On va essayer de rester dans des zones où il y en a beaucoup. Là, je suis bon pour l'instant, je bouge pas. Ah oui, c'est vrai que j'ai mis un troisième. J'ai dit, mais c'est qui ce mec? Ok, il me faut des jus Oula. de pomme. Oula là, on va être dans la merde, mec. Et ben voilà, Oh, on est dans la j'ai merde. fait mon. J'ai rattrapé mon trou, mon Oula. retard. Ouais, on y va comment? Oh. Oh, j'ai eu peur, j'ai cru que ça allait pas passer. Ouf. Sorti. On a fini là. Oh, je pilote un train maintenant. La fin du jeu. Là, je pense. Hein. Oh! Oh! Non, j'ai survécu à ça. Jeu final. Le dernier jeu. Eh ben. Oh! Faut avoir une arme au moins. Faut avoir l'arme. Ça veut dire que j'ai pas d'arme. Ah si. Wow! J'ai vu ces tentacules. Oh! J'ai fait le même style de jeu hier. De viser ce tentacule quand il bouge. Hein. Oula. En plus, c'est chacun son boss, genre quelqu'un peut pas m'aider. Je vais viser comme ça. De péter. De péter. Oh non! Oh non, j'allais le tuer! Je dois pas reprendre la zéro. Ah, ça va. Que malheureusement, le boss d'hier que j'ai fait. Si je perdais, je recommençais. Alors? Il tank ton truc. Il faut quand même des gars, sérieux? Yes, fini. Va savoir fini. Ouais, c'est bon, j'ai fini le lobby. Eh ben, et ça m'emmène vers un autre lobby encore, un autre jeu.
200 niveaux. Oh. Après, on va faire un petit live de sport après. On va transpirer un petit peu. Alors, Il est beau le... le lait. Oh! Il est bien fait le jeu. Yaourt. Ça Alors me fait mal. attends, où je pourrais mettre les yaourts du coup? Fait mal aussi. Les yaourts, le lait, on va Ouais. mettre là les yaourts. Ah ça va, je peux respawn vite. Ouais. Allez, Jeff, j'arrive pas à se mettre dessus, quoi. Non. Ok, là, ça va. Ah. Je suis déjà mort Ah, plein de je fois. voilà. Voilà, donc on a attrapé un petit peu le retard qu'on avait. On a un peu de stock, vous voyez. J'ai fait un peu de stock. Pas beaucoup, mais C'est j'ai fait terminé, mec. un petit peu de stock. Du coup, voilà, on a rattrapé un petit peu Prête. le retard. Je suis Voilà, content. c'est peut-être le temps. Ah non! Après, on va faire un peu de sport en live, donc c'est du cardio, hein, du cardio et du coup, Vas-y, sport Charlie après. vous allez me voir bouger le popotin. On a besoin. Charlie, va. Il faut. Parce qu'on grossit, on grossit, mais passe trop de temps sur les jeux et on fait rien. Quoi ce bordel? La farine, du coup, on peut le mettre là. Wow. Verso. Alors, attends, Ouais, d'accord. on va faire les pâtes et le riz et après on va sauvegarder et on va faire nos popotins après. Pâtes, riz, pâtes, riz et spaghetti. Voilà. Voilà, on va faire notre nouvelle journée. On va mettre. On va commander. Et après, un petit live sport. Et après, on fera le goûter. Que je fais aussi en live, le goûter. Non, non, non. Oh, tant que chier. Ah non, manger Bah un chocolat avec des gâteaux, pas besoin de faire un live, hein. ben, si, tu peux papoter. Ça peut faire un peu... Tu peux papoter un peu. Oula! 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 Ah mais j'avais des trucs là. Ok, donc ah oui les bouteilles d'huile, Wow. on avait plus d'huile, donc du coup l'huile on va le mettre là. Ok. L'huile d'olive, on va le mettre là. Et du sel. L'huile d'olive et du sel. Allez hop. Franchement, il est bien fait le jeu. J'aurais jamais trouvé ce hobby si j'aurais pas fait d'autres jeux. Oh non, tombe pas. Le sel, on va le mettre ici, là. C'est bloqué? Allez, on se donne. Ah On se là donne déjà les deux. on a un petit peu de tout là.
ça On va remplit faire un les petit 200 peu. niveaux. On a rempli un Oh, petit peu comme non, il y ça. avait une petite chute, j'avais pas vu. Et ben, et je te jure, moi j'ai fait. Alors c'est pire, hein, on dirait que je joue mieux avec un emprunt que sans emprunt. Je gagne plus d'argent avec de l'emprunt que sans emprunt. Anormal, quand tu fais un emprunt, généralement tu gagnes Non, de oui, mais l'argent. c'est pas ça, c'est que tu dois en rembourser mensuellement, tu vois. Et Ouais, mais c'est fait pour que tu rembourses et que tu te foutes pas dans la merde. Normalement, c'est fait pour ça. Hein. oui, mais j'ai l'impression que par exemple, je fais mieux les stocks quand j'ai un emprunt que sans des emprunts. Avant, je me rappelle que quand tu faisais les trucs. Oh, mais j'avais encore des. Il est trop bien fait. C'est le lobby, franchement. 200 niveaux comme ça, c'est que ça va être top. Wouhou! C'est ça. Donc je touche le truc. Voilà. Là, si je touche les lames, je meurs ou pas? Bon après Oui, t'es j'ai sauvé. fait un petit peu beaucoup de. Je touche pas Beaucoup trop les de. stocks dehors parce que comme ça au moins ça me met du stock. Comme ça j'ai pas besoin de trop commander. Là c'est vrai que j'ai commandé beaucoup d'articles. Hein. Vous m'avez dit ouais il y a Merde. des cartons déjà dehors. Ouais mais si tu touches les cartons dehors, le souci c'est que à un certain moment après tu faudra que tu recommandes quoi. Le but c'est de faire c'est d'accumuler le stock quoi. Allez, on va sauvegarder, on va quitter et après je vais arriver, on va faire un peu de sport. Je vais mettre juste la télé un petit peu comme ça. Mets une musique, Charlie, pour ça. Allez, j'arrive Bon, dans bien. 5 minutes, je coupe le live. Comme ça on conclut le stream de comment ça s'appelle? Supermarché. Et dans 5 minutes, à 40, le temps de me préparer et tout ça, je lance un live sport et après je ferai mon goûter. Je vous dis dans 10 minutes, d'un retour dans 10 minutes.